Le drop shot. Ça marche. Hein. On valide. On valide. Bonjour tout le monde. Salut les gars. On est à Butchenbach, un lac de barrage en Belgique. Et je suis avec Joël parce qu'aujourd'hui on s'est dit qu'on allait aller pêcher la perche avec une technique spécifique, le drop shot. Donc le drop shot, une technique que moi je ne maîtrise pas beaucoup et que j'avais envie de vous présenter à travers une vidéo avec plus de détails par les conseils aussi de Joël qui maîtrise cette technique parce qu'il pêche quasi que exclusivement en drop shot. Ouais. Ben, vous transmettre un maximum de bonnes informations et de bons conseils pour que vous puissiez attraper un maximum de poissons. Ouais. Donc on se rejoint aujourd'hui sur le lac de Butchenbach, donc lac de barrage en amont. Donc il y a deux lacs ici dans la région, on a Robertville qui est sur l'aval. Ici à Butchenbach, on est sur un lac de 120 mètres carrés, donc qui est géré par la société de la Ligue de l'Est, donc la LRPE. Ouais. On retrouve ici donc les trois espèces de carnassiers qu'on recherche principalement, donc brochet, sorte, perche. Ouais. Maintenant, c'est un lac qui est vraiment très très bon pour la pêche de la perche. Un lac qui est vraiment très linéaire, hein, donc on a des trous au barrage à 18 mètres. Ouais. Et on a à peu près 9 mètres de moyenne, donc comme ici on a des plateaux, ici maintenant que l'eau est un petit peu baissée, on a des plateaux qui sont à peu près à 8 mètres d'eau. Donc on est ici dans le canton de l'Est en fait, hein, de la Belgique, donc on est côté est de la Belgique. Le lac de barrage et le barrage s'appellent Butchenbach, le village qui est autour s'appelle Butchenbach aussi, donc ça porte le même nom, mais la rivière s'appelle la Warche. La Warche et la Haute-Warche, donc on est en dessous du barrage ici, nous avons la Warche, et alors la Haute-Warche est ici un peu plus haut, c'est une belle petite rivière qui serpente dans les champs, ouais. Et notamment où il faut des poissonnements de truite et tout ça, où se pêche la truite. Et rivière pêchable. C'est une rivière qui est totalement pêchable avec le permis de la LRPE. Ouais. Ben pour moi, c'est une première ici sur ce lac. J'ai jamais pêché la Warche non plus. C'est une région de Belgique où je ne viens pas souvent, donc très impatient de découvrir les poissons de l'Est. C'est ça. J'ai... Non, je peux te mettre le micro ou il faut que tu arrêtes un peu d'attraper des perches, hein. Je crois que j'ai une deuxième qui est venue intercepter l'autre leurre, donc... T'en as deux, tu? Non. Il y en a une. Je pense que j'en avais deux, mais... Non. Il y en a une. Il n'y en a pas deux. Ben voilà, je vais te mettre le micro, comme ça on va bien t'entendre. Ah ouais. Donc là, toi, tu es sur combien de plombé? Ici, je suis à 14 grammes. Avec un plomb droit, pour éviter les accros. 14 grammes. 14 grammes. Voilà, avec deux hameçons donc, de taille 4. Ouais. Qui me permet de pêcher avec des leurres en fait en taille un peu plus modeste. Ok. Donc des leurres de 2 pouces à 3 pouces et demi. Avec mon premier leurre qui va se trouver 30 cm au-dessus de mon plomb et le deuxième à 1,50 m. Ok. Maintenant moi quand je pêche avec des gros leurres, bah, évidemment un gros leurre tu vas cibler un gros poisson. Mais ce que je fais maintenant beaucoup aussi, c'est que tu regardes la taille du fourrage, quoi, de l'alimentation. Ouais. Et ici on est vraiment sur une taille de fourrage de 2 pouces, quoi, de 5-6 cm maximum, ouais. Tu vois. Et elles se nourrissent là-dedans. Salut. Voilà. Merci pour le conseil. J'ai collé le fond et ça a été résultat instantané. Mais c'est un peu plus gros, je crois. C'est beau, là, hein? Bah ouais, c'est plus gros. Hein. Oh, c'est plus gros. Hein. Sur le Baby Louis, t'as un poisson? Ah bah ouais. Voilà. Elle l'a bien pris le Baby Louis là. Bah ouais, elle a bien rangé. Elle est bien rangée. Sur le petit hameçon VMC 360 degrés, voilà. Ça pêche. Voilà, tu as la petite sœur. Ouais, la petite sœur. Ben voilà, doublé de perchettes. De belles petites perches. Presque triplé, parce que t'en avais peut-être même deux à un moment donné au bout de ta ligne. Je pense qu'on est parti, ouais. Et voilà. Il y a drop shot, ça marche. Hein. On valide. Petit chan. Ouais. À tomber. À tomber.
tombé. Ouais. J'ai remis le Baby Louis. Ouais. Ouais. J'avais plus de touche. Ouais. Je crois que je l'ai perdu. Ah non, tellement de petite que. J'ai un peu changé la donne. J'ai mis plus lourd pour pêcher plus vite. Ouais. Donc j'ai remis Baby Louis. Ouais. Je change un petit peu la pêche quoi. Ouais, voilà, petite perchette. Le petit Baby Louis. Allez, c'est parti, on va vous expliquer maintenant comment fonctionne cette technique du drop shot. On va commencer par une explication vite faite du montage, et puis on va rentrer dans des petites particularités. Longueur de canne, type de leurre, etc. Vous allez tout savoir. Joël, tu nous expliques un petit peu, c'est quoi cette technique du drop shot ? Donc le drop shot, donc... Pêcher la carpe ? C'est pour pêcher le carnassier essentiellement. Ah. Maintenant, bon, il y en a qui pêchent même les salmonidés avec, mais aujourd'hui, on sera là pour le carnassier. Ouais, c'est surtout une technique pour le carnassier. Ouais. C'est ça, c'est ça. Le plomb. Donc le plomb, en fait, se trouve au-dessous de la ligne et pas comme on va avoir sur les pêches traditionnelles où on a le plomb qui est mis sur l'hameçon. Ici, on a le plomb qui se trouve en dessous de l'hameçon. Ouais. Voilà. Il est décalé du leurre, en fait. Ce qui laisse une grosse mobilité au leurre, voilà. Tout à fait. Et donc, il y a un réglage à faire. Enfin, on peut régler la distance entre le plomb qui sera au fond, parce que c'est une technique de pêche de fond. De fond, c'est ça. Et le leurre qui sera au-dessus de 20, 30, 40, 30 50, en fonction, en fonction des eaux qu'on veut pêcher, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok. Par les matériels, on va parler maintenant du plomb. Donc oui. En fait, le plomb, il y a trois grandes familles de plomb. Donc on a les plombs ronds, les plombs poires. Et alors, on a les plombs maintenant aussi qui sont plats. Allongés. Ouais. Ils ont ces formes-là bien spécifiques pour servir à quelque chose. Donc par exemple, le plomb poire va c'est pas avoir... du hasard en fait. Hmm? C'est pas pour faire joli. Ah non, c'est pas pour faire joli. Non, 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 non. Ça a des spécificités, c'est fait pour quelque chose. Donc en fait, le plomb poire en fait va être là pour avoir une pêche beaucoup plus lente en fait, pour être plus statique sur le fond. Les plombs ronds, c'est le 4-4, c'est celui que tout le monde se sert normalement le plus. Le classique. C'est le classique. Et alors celui-ci, l'allongé, lui va être là en fait pour avoir une meilleure pénétration à l'eau. Ouais, il va fendre l'eau, il va descendre plus rapidement au fond. Donc plutôt à privilégier dans les zones où il y a une grande profondeur. Mm-hmm. Et concernant la taille et la plombée, parce que on en voit de 3 grammes jusqu'à 50 grammes ou plus, je sais pas. Moi personnellement, je pêche pas beaucoup en drop shot, mais j'ai pas l'impression que du 50 grammes c'est très très utilisé. Non, non. Et le 3 grammes et demi, j'ai pas trop l'impression qu'il est très utilisé non plus. Maintenant en drop shot, je veux dire que la plage vraiment entre les plombs se joue quand même beaucoup maintenant entre 10 et 25 grammes en fonction de ce qu'on va rechercher, des endroits qu'on va pêcher. Mais le point important de la pêche du drop shot et de cette technique, c'est d'avoir contact permanent avec le leurre. Avec du coup le plomb. C'est ça. Et donc, il faut que la plombée soit un peu plus lourde que si on pêcherait en jig, parce qu'on veut garder cette capacité de ligne tendue. C'est ça. Pour clôturer avec les plombs, si tu dois conseiller un type de plomb et un poids, pour que quelqu'un débute, parce qu'il n'a pas envie d'acheter tous les types de plombs, etc. Bon, écoute-moi, pour moi, le passe-partout, vraiment le 4-4, c'est de pêcher directement donc avec des plombs profilés comme ceci. Plomb profilé. Voilà. Et pour moi, le 14 grammes est vraiment le passe-partout. Okay. Sur ces plombs aussi, vous pouvez voir ici un système de clips. Donc en fait, vous n'avez juste qu'à passer votre fil. Une fois que votre fil est passé, vous tirez une fois. Et alors là, vous avez votre plomb qui est directement placé. Moi, j'utilise le plomb pour descendre le plus vite au fond. Le plomb allongé. Profilé. Profilé. Il faut vraiment downsizer les... Je pense qu'il va falloir descendre vraiment en taille de leurre. Parce que même moi, là, 3 pouces... Arrête de te plaire. J'allais dire ça marche pas, mais si. Si, si, ça marche. Pourtant... Ah non, regarde, j'ai pris sur leurre du dessus. Ouais. Ok. Ah, c'est la taille du fourrage. Bah ouais, en fait, elles sont sur des petits points. Ouais. Je me prends des frappes sur la remontée en fait. Ouais. Tiens. Ouais, t'as vu, elle est sous le bateau en fait. Et là, c'est Baby Louis. Hein. Je t'avais dit que je devais mettre Baby Louis. Ah non, j'ai perdu mon plomb dans l'histoire. L'écran du sondeur, là, on voit une sorte de bouquet de fleurs.
Et là, c'est... Bah, c'est des perches. Et malgré qu'on soit dedans, c'est pas si facile que ça. Hein. Ah, tu l'as, ouais. Et hop, en voilà une du bouquet. Voilà. J'ai bloqué le bateau, t'as vu. Un petit tchekiloui du chez Monkilurs. Et au-dessus, j'ai mis un petit shad. Donc, je pèse avec un train de 2 leurres. Avec un plomb de 14 grammes. Ah ah, fichonne. Fichonne. Je laisse un peu traîner pour en faire une deuxième. Ah, il y a beaucoup de têtes. Hein. Ouais. Ah, non. J'en avais peut-être 2 en fait. Je sais pas. Non, c'est la même. Elle est trop bien. Yes, baby. Ouais, beaucoup. Oh non. Elle t'a pas vu. Je l'ai perdu et était sur mon petit. C'était sur le leurre du bas. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai une belle touche. Reviens. Ah oui. Regarde. Ah oui, je vois ton sillon. Allez. Ah, tu l'as. Elle a quand même pris, elle doit pas être grosse. Hein. Non. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Bah, ça va, c'est pas si mal. Allez. Pas gros. Ouh, elle aussi va avoir un toqueur. Merde, celle-là elle est repartie. Elle va aller prévenir tout le monde. Donc pour parler maintenant des hameçons spinshot lock, donc un hameçon fin de fer avec un picot vraiment redoutable, avec un petit ardillon. Alors moi ce que j'aime de ces hameçons-ci, c'est que déjà c'est une facilité de montage. On le voit ici, ils sont équipés d'un double émerio baril. Donc en fait, vous avez juste à faire un nœud au-dessus et en dessous. Il faut juste regarder quand vous mettez, de bien avoir l'hameçon vers le dessus. Et surtout, ça permet aussi le baril d'avoir un leurre qui va tourner à 360 degrés, qui n'a vraiment aucune retenue. Donc c'est déjà bien pour la nage et c'est surtout très bien en fait pour éviter de décrocher des poissons. Donc ici, ces hameçons-ci sont déclinés en plusieurs tailles. Donc ils commencent à la taille 8, donc ils sont vraiment les plus petits hameçons, jusqu'à la taille 2-0 pour les plus grands. Celui qui commence la pêche au drop shot, qu'est-ce que tu lui conseilles comme taille d'hameçon? Bah, souvent, quand on va commencer la pêche, je pense qu'on va commencer à pêcher avec des leurres qui sont de taille un peu plus modeste. Ouais. Donc, du coup, je pense que ce pêcheur-là va pêcher avec des leurres d'à peu près de 2 pouces, 3 pouces et demi. Ouais. Pour moi, la taille 4 est quand même la plus adaptée. Là on a un Clio. Tu l'as? Ouais, je l'ai vu. Ok, là on a un Clio. Je vais reprendre le petit leurre, c'est un beau. Ouais. Pourquoi? Je te laisse prendre l'épuisette. Ah ouais, ok. Attends, là, c'est un broc. Je sais pas ce que c'est, je te laisse prendre l'épuisette. Il y a un gros poisson là, la clé. Je viens de le voir à l'écho en fait. Ok, c'est là maintenant. Big perch. Ouh. Ah, il y a gros poisson là. Ok, c'est là. Wow. Oh, le steak. Steak en or, mec. c'est ton record ici? Ah, si ça passe 50. Ah, t'as fait 50 ici? Ouais. Wow. Beau trophée. Quelques beaux trophées, ouais. Ah, ça c'est clair. Là, il y a du trophée. Poisson vu, poisson pris. Nice. C'est sympa. Wow. Super fiche. Abusé. On est sur 48 là. Ah, on est sur 48 quoi. Ouais. Ça c'est super fiche surprise quoi. Ouais, super fiche. Sur des là on pêche des perches de 20-30 cm et là il y a le monde. Chic.
Oh, la vache. Regarde, si tu viens à l'écran, et on va voir. Sur le 2D. On les voit à l'écran? Bah ouais, tu vois vraiment, ah regarde. Ouais. J'avais le bord de perche qui était là. Et en fait, regarde, je suis venu descendre mon leurre en fait à cette hauteur-ci. Et regarde, on voit le poisson qui a décollé du fond. Il l'a décollé. Et qui est venu. Il est venu taper ton leurre. Qui est venu se piquer dessus. C'est pas un gros poisson, je vois. Bah non. Elle est vue. Donc, le drop shot permet aussi. Enfin, c'est peut-être pas ce qu'on pense à chaque fois, mais de pêcher en vertical, quoi. Pouvoir ouais, descendre. Là, tu viens de le faire à la verticale. Ben ouais, de pouvoir descendre en fait en vertical et de sélectionner un poisson qu'on a vu. Donc, pour ce qui est du fil, pour relier votre hameçon à votre plomb et de votre hameçon à votre corps de ligne qui est la tresse, on utilise ici du fluorocarbone. Donc, pour deux raisons. Pour la visibilité dans l'eau et surtout on a un plomb qui va beaucoup frotter les caillasses, les pierres, donc le fil va toucher énormément des caillasses et on a un fil ici qui est bien résistant à l'abrasion. En taille donc de fluorocarbone, ce que je préconise, le 23-25 centièmes pour moi est le meilleur compromis. Ok. Dernier point, la canne à pêche. La canne à pêche, donc ce qui est des cannes, ici on va parler d'une pêche en bateau, donc sur une espèce bien particulière, la perche. Ouais. Donc moi je préconise des cannes entre 2,10 m et 2,20 m. Des cannes avec une action fast, assez sèche, ouais. Assez rigide, tout simplement pour avoir le maximum de sensibilité sur mon leurre. Donc ici par exemple je suis sur une canne en 5,21 g pour 2,13 m, équipée d'un petit moulet 2000 en fait pour avoir un très bon équilibrage. Voilà, donc c'est une canne qui va me permettre de pêcher avec des leurres un petit peu plus petits, ouais. Sur des perches voilà, de taille un peu moindre. Donc là, c'est pour des. Pour, ça, c'est vraiment ton ensemble pour pêcher avec des leurres de 2 pouces, donc de 5 cm. C'est ça, avec un maximum, je vais dire, de plombage de 10 à 14 grammes. Et là, donc, voilà. Tu cibles les petites perches. Je prospecte en fait pour essayer de trouver des bords de perches et cibler voilà, des perches. Bon, s'il y a une grosse qui mord, elle est toujours la bienvenue, évidemment. Mais voilà, ici, on cible vraiment des poissons. Des poissons qui se retrouvent en bord. Donc, deuxième canne qui elle est destinée à prendre des poissons un peu plus de plus grande taille. Donc ici c'est pour ça que j'ai une canne avec un seul leurre pour essayer en fait de rechercher des poissons qui sont peut-être un petit peu plus mis sur le côté des bords, donc des poissons de taille un peu plus conséquente. Donc ici sur cette canne-ci on est exactement sur les mêmes cannes, je vais dire de confection, donc une canne encore qui est très sèche. Action vraiment fast, ouais. Extra fast, on est ici. Donc on est sur une canne ici en 5, 30 grammes, équipée donc, d'un moulet 2,5 ouais, donc tu es sur le même modèle, mais on est sur le même modèle, voilà. On a juste augmenté la puissance, voilà. Je pense qu'il y en a des autres encore. Regarde, il y a encore un poisson qui arrive là. On voit un poisson qui arrive juste sous le bateau. Je me permets de prendre le contact en fait. Hop, ah, non, voilà. C'est bien le drop shot. J'adore le drop shot. J'adore le drop shot. Il y a du poisson à l'arrière du bateau ici, tu vois. Regarde, tu vois le nombre de poissons qu'il y a à l'arrière du bateau. Là, regarde, je vais relever. Oh, il y a un banc de poissons. Il y a un banc de perche, regarde, je vais descendre en plein dessus. Hop, regarde, je leur descends sur la tête. Et il y a un gros fiche dedans. Hop, il y a un beau fiche dedans. Attention, je suis sur leur tête, il y en a deux qui décalent. Attention, ouais, ça monte, elle tape dans le plomb, Oh, elle est dessus. Fichane. Ça remonte. Incroyable. Voilà. Hop là, allez, poisson. Troisième perche d'affilée. Drop shot man en action. Franchement, ça c'est de l'action. Hein. C'est un petit peu énervé comme elles sont là. Ouais, elle est un peu énervée, celle-là. Ouais, il est vraiment dessus. Ouais, c'est un glane. Ouais, c'est un glane, hein, pour tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de glane à Butchenbach. Les gars, il est là en vidéo. Ouais, hein. Ouais, ça ressemble vraiment. Non, c'est pas. Ça ressemble vraiment. C'est vraiment un glane. Hein. Ouais. Oh, il est fort intéressé le con en plus. Ouais, il remonte dessus. Ouais, ça ressemble vachement. Ouais, à un glane, si, ça. T'as la limite de le faire. Hein. T'as la limite de le faire. Hein. Il est venu deux fois. Ouais, mais regarde maintenant, je vais me faire intercepter par tout le petit banc, la petite perche qui arrive. Il est toujours là, hein. Ouais, ouais. Mais lui, il est là pour manger. Là. Il est collé au fond. Ouais, lui, il vient s'alimenter. Il vient bouffer, c'est ce qu'il bouffe, lui. Ah, tu vois, il y a après... Hop, il y a une perche qui monte, là, sur mon premier leurre. Ah oui, oui. Oh, lié.
savais, elle est venue de loin. Ouais, celle-là, elle a laissé, il s'est dit qu'on serait venu avec. Oh, ouais, celle-là, elle avait fait. Incroyable. Oh, tu descends et alors tu fais des petits tics. Regarde, regarde. Ouais, je regarde l'animation, surtout de la canne. Hop. Tac, tac. Tac, tac. Il y a des, c'est fou, comme il y a des poissons qui... Oh, il y en a une qui réagit, là. Elle vient sur le leurre du dessous. Là, il y a des poissons qui jouent avec le leurre, avec le plomb. Mais t'animes pas de la même manière quand t'es en shad. Non, non, du tout. Ça, c'est ton animation pour des leurres finesse au-dessus. C'est ça, ouais. C'est ça. On essaie de mettre une présentation en fait sur le poisson directement. Il paraît que dans les bateaux, il y a toujours un vivier pour y mettre les poissons. Mais j'ai entendu dire que ici, dans l'est de la Belgique, ils n'utilisent pas le vivier de la même manière que les autres pêcheurs. Joël, dis-moi. Je peux voir ton vivier ? Ouais. Je vais encore faire parler des gens là, mais bon. C'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle ici, plus communément, un bac à bibine. Un bac à bibine, c'est le frigo box à bière. Voilà. Ben oui, on a en Belgique. Je vais encore être jugé. C'est ça l'est voilà. De la Belgique. C'est ça. Bon. C'est une question d'animation, parce que moi je fais pas autant de touches que toi. Hein. Non, elles ont tendance un petit peu à partir. Oh putain, là j'avais une touche. Ouais, t'es en plein dedans. Laisse tomber. Tout dans le fond. Voilà, anime doucement. Hop, y'en a une qui monte. Y'en a une qui monte. Je vais passer avec un leurre plus gros. Ah, y'en avait une deuxième derrière. J'ai failli faire un doublé. Allez. Ah, surtout que je l'ai pris sur la banquille, j'ai failli faire un doublé. Essaye de revenir un peu vers le milieu. Ouais. De tourner, revenir vers le milieu. Ouais, ouais, voilà, 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 t'es su. On voit le banc qui est. Cool. Regarde le banc. Je suis quand même moins. Wow. Mais quand t'es là-dedans. Ouais. C'est dur de pas faire une touche, quoi. Ouais. Maintenant, si tu vas assez vite, c'est quand même pas si facile que ça. Hein. Non, non, il faut les trouver. Ouais, mais ça. Déjà, il faut les trouver, mais même toi, tu fais beaucoup plus de touches que moi, quoi. Par contre, t'as un gros bord de perchette juste en dessous, voilà. Anime un peu plus sèchement, mais tu le fais trembler sur place, en fait. J'ai pas du tout l'animation, c'est un truc de malade. Allez, allez. Allez. Il y a les autres en dessous. Ouais, bon voilà, j'en ai plus aucune. Eh merde. Franchement, je voulais faire un doublé. J'en avais une sur le leurre du dessus, il y en avait trop, il y en avait au moins 4-5 qui étaient sur le leurre du dessous. Ah. Maintenant, elle a prévenu tout le banc, quoi. Voilà, la journée touche à sa fin. C'est il terminé. A enchaîné, il a bien enchaîné. Hein. On a eu bien bon. Il tout. Nous a fait une belle démonstration de pêche du drop shot. Il y a eu pas mal de poissons à l'épuisette, mais clairement, je crois que j'ai pris 3 ou 4 fois moins de poissons que toi, Joël. Hein. Il y a quand même une technique que Joël connaît, qui maîtrise. Moi, j'ai pas beaucoup l'habitude de pêcher au drop shot. J'ai vu aujourd'hui que c'était la meilleure des techniques pour pêcher, en tout cas sur ce lac ici. En tout cas aujourd'hui. C'est la plus adaptée pour le moment, en tout cas. Voilà, c'est ça. Pour la période, c'était la plus adaptée. Et même en essayant de la pratiquer, j'ai pas su faire aussi bien que Joël. Allez, un dernier petit conseil peut-être avant de clôturer cette vidéo. Tout simplement. Un dernier petit conseil de pêche. Quand on pêche en drop shot, ouais. Pour ranger sa canne, prend son fil au niveau du plomb, au-dessus du plomb, ouais. Juste ici, vous voyez, et on tourne 2-3 fois autour de votre manivelle. On laisse pendre le plomb. Voilà. Et c'est rangé. Voilà, dernier petit conseil de Joël. Mettez-lui un petit commentaire pour lui dire merci si vous avez kiffé cette vidéo, si vous avez appris des choses. Et surtout, si vous attrapez des poissons grâce aux techniques de pêche de Joël. Nous, on va remettre les pêches à l'eau. Perches à l'eau, parce qu'on les a mis dans une épuisette. Bien qu'il y ait un trou dans l'épuisette, donc il y a la moitié qui s'est déjà rebarrée. Ouais, c'est prison break. Mais voilà, aujourd'hui, on a fait quoi à mon avis, plus de 50 poissons, 50 et 60 poissons. Maintenant, on a pris du beau temps. On a eu la chance de voir quand même
un super poisson parce que faut laisser ce qu'il y a, même sur des grands lacs hollandais, un poisson de 48 cm, ça reste quand même, c'est pas commun, ça reste quand même des poissons qui restent assez rares, ça reste de super poissons. Et toucher un poisson comme ça dans un lac sur un lac de barrage, ça reste. C'est clairement un poisson record. Voilà, puis bon, c'est un poisson qui était en pleine forme, qui est vraiment reparti en très bonne condition. Ah. Donc ça fera un heureux en tout cas le prochain qui la prendra. Quoi. C'est clair. Autant que nous. 50 à 60 poissons, je dois peut-être en avoir fait 10. Un petit broc. Voilà, j'ai fait un petit broc. Mon premier broc. Au kickback. Je l'ai fait au kickback creek, une technique que tu connais aussi, que je ne maîtrise pas du tout. Et donc, j'ai essayé la technique et j'ai pris le brochet en kickback creek. Donc, voilà, mon premier brochet de Butchenback. Mais mon premier brochet, mon premier poisson au kickback. Voilà. Merci en tout cas, Joël. Merci pour à toi. Bonne journée. Merci. Et à la prochaine, tout le monde. Salut à tous. Salut. Ciao. Et voilà, on est reparti à l'eau.